Hey, salut tout le monde! Alors, on va se relancer dans un petit live, hein, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas stream. Toujours avec notre ami Mobius. Salut Mobius! Alors, on va démarrer un nouveau projet. On a eu une petite idée avec Mobius. On va se lancer dans un petit jeu de science-fiction qui va se passer dans un vaisseau. Style un peu ben, des jeux où on a des vagues, où ça se passe par round on va dire, et puis ben, où il faut arriver à survivre le plus longtemps possible. Je veux dire un FPS. Alors, ben, comme hop. En FPS, tout à fait. Alors, comme d'hab, on a utilisé notre ami Miro pour créer notre board, planche de suivi, on va dire. Donc on a une boîte à idées déjà, une boîte à refus sur tout ce qu'on a pensé qu'il n'allait pas. Et puis ben je te laisse un peu la parole Mobius ou... Ben là pour ce qui est des débuts, c'est surtout mise en place des premières idées. On va essayer de faire ça un petit peu comme des pros. Dans le sens où on va pas se lancer forcément peut-être perdu, mais essayer de mettre les choses à plat d'abord, et puis voir un peu comment on peut créer construire un truc. Alors ça sera plutôt, on va tenter de le faire sur IE5 pour pouvoir avoir quelque chose de à jour d'un point de vue d'un point de vue interface, de ne pas être perdu quand UE5 sera vraiment en place. Ouais. Et puis quoi d'autre, bah là on est encore en train de... C'est vraiment le début, donc ça sera très à l'arrache. C'est plus qu'une alpha. Plus qu'une alpha, parce que les graphismes ne sont pas encore décidés. On va mixer des assets qu'on a trouvés et puis des assets qu'on va créer. Donc principalement pour ceux qui sont pas habitués à Epic ou Unreal Engine, tous les mois en fait ils offrent des assets. Donc ça fait un moment qu'on stocke en fait des assets que Epic nous offre justement. Et bah, c'est le moment ou jamais de s'en servir quoi. Après peut-être que est-ce qu'on doit rappeler est-ce que c'est un asset ? Alors un asset, pour les gens qui sont vraiment pas familiarisés avec le terme, pour vulgariser, être vraiment, on se fasse pas tomber dessus par des pros ou autres, mais c'est un objet en fait, c'est un...
quelque chose qu'on peut placer dans notre environnement et s'en servir à sa guise, hein, que ça soit une arme, un rocher, un mur, une texture qu'on vient appliquer sur une plane. Tu peux même mettre des particules, un système de particules dans tout ce qui est le son. Ouais, du moment que c'est un acteur, en fait, si on veut rester dans un terme plus général, du moment que... Ouais, du moment que ça fait partie du projet, quoi, je dirais. Et... T'as un élément, tout simplement. Ouais. Étant très vulgaire. Donc, Mobius, ce sera un FPS qui va se passer dans un vaisseau. Donc, on a mis plusieurs idées dans notre boîte à idées, justement, de pouvoir avoir un style futuriste, un choix avec des personnages et des compétences différents. Possibilité d'upgrader l'arme ou le personnage, pour l'instant on sait pas encore. On aimerait bien mélanger un peu FPS et RPG en vraiment entre gros guillemets. Et puis essayer de trouver des petits objectifs, des. Voilà, des petites mises en scène. Chose qui se passe bien et ouais, après. On verra tout ce qui sort. C'est cool, mais ouais, on a déjà un bon petit fil directeur, on va dire. Et après, puis... je te laisse la manette au niveau de tout ce qui est blueprint, parce que là, pour l'instant, c'est toujours pas mon fort. On se demande d'ailleurs... Moi, je me débrouille, hein. Je suis pas un pro, mais je me débrouille avec ce que je sais faire, et puis ben, on verra, on va sûrement découvrir d'autres manières de faire, qui seront juste ou intéressantes. C'est le but aussi du live, hein, de pouvoir communiquer, partager ensemble. Et puis ben voilà. Donc on a mis un petit fil directeur, bon c'est vraiment vulgaire, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais on va essayer de respecter, de créer un menu, de pouvoir choisir le personnage, le faire spawn, renseigner le pseudo du joueur, gérer les sons, parce que dans notre ancien projet on gérait pas du tout les sons et c'est vrai que c'était vite monotone quand on essayait. Ah ça enlève de la profondeur au jeu, hein, y a pas. Et ben voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on peut déjà commencer à peut-être essayer de s'orienter sur le créer notre projet ouais, déjà. Ouais. Je te suis de près. Donc du coup, on passe sur Unreal Engine. Pac. Donc ça c'est Unreal Engine 5. Donc on est dans la section jeu. On va créer un nouveau projet. Alors, pour pas s'embêter de partir de zéro, on va prendre un troisième personne. Pourquoi on prend un troisième personne plutôt qu'un première personne alors qu'on va faire un jeu à la première personne? C'est que l'avantage du troisième personne, en fait, on a carrément notre personnage qui est déjà inséré dedans, donc l'asset du personnage complet, avec ses animations et tout ce qu'on fait avec. Et en première personne, en fait, on a une caméra avec des mains. Donc si on veut utiliser une cinématique ou n'importe quoi d'autre, on n'a pas d'ombre, on n'a pas de réflexion, on n'a pas notre personnage. Voilà, c'est juste un petit gain de temps, on va dire, mais plus de la fainéantise qu'autre chose. Donc pour l'instant, on n'a pas décidé de nom, donc on va l'appeler Live FPS Sci-Fi, on va rester vague. On va venir le changer plus tard. Et on crée ça. Dedans. Ça a bugué, non? Non, c'est en train de charger, mais du coup il a chargé sur le mauvais écran, donc j'attends qu'il ait fini de charger parce que je peux pas le. Voilà. Donc voilà l'interface de UE5, elle a un peu changé par rapport à l'UE4. Alors, ben, déjà dans un premier temps, on va faire les choses les plus basiques. On va déjà commencer un peu à ranger ici. Donc nous, on va déjà créer un nouveau dossier pour les niveaux. Donc on va l'appeler level. Alors, par contre, moi, je suis un franglais, hein, j'aime bien mélanger les deux. C'est un peu le bazar pour moi dans ma tête. Donc on va déjà copier le niveau existant ici. On va pas se servir de celui-là parce que pour le déplacer c'est un peu difficile, donc on va le copier.
Donc si je dis pas de bêtises, c'est ici, serve person BP, maps. Donc nous, on prend person example map. Donc CTRL C pour le copier. Va dans level. CTRL V. On leur nomme. Pour l'instant, on va l'appeler Space. On verra, on peut le changer à un nom, il n'y a pas de... C'est bon. Donc nous, on va créer aussi un nouveau niveau. Donc en fait, le menu, on le crée comme un niveau, en fait. Hein. Donc notre menu sera un niveau à part entière. Donc on va l'appeler... En F2, on va l'appeler menu. Ah, petite déco de... Déco de Mobius, je regarde si je dois le rappeler, ça fonctionne. C'est, bon, c'est parce que j'ai fermé mon écran. Du coup. Ah, pas de soucis. Donc j'ai dit, je sais pas si tu m'as entendu, du coup je t'ai juste dit en fait qu'on va recréer un nouveau menu, enfin un nouveau niveau pour créer le menu en fait. Donc c'est un niveau à part entière. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà renseigner en tout premier dans notre project setting. On va un peu changer, donc edit ici, project setting, et on va déjà configurer nos touches. Avec le plus chiant au monde de devoir se déplacer en QWERTY avec un AZERTY. Donc ça, c'est pour se déplacer à l'intérieur du... À l'intérieur du jeu, vraiment. Oui, c'est... Donc le move forward du joueur, ouais. Ça, c'est les touches du joueur. C'est vraiment les touches du joueur. Donc on vient changer le W du move forward, donc avancer, par un Z. Donc en négatif pour pouvoir reculer, c'est le S, donc là c'est pareil que nous. Move right, donc pour aller à droite, donc là c'est D. Non. Bon, bien prendre. Ah oui. Oui. Oh, bon. Ah non, il est en moins 1, donc là c'est gauche, pardon. Et c'est vrai qu'ils l'ont inversé par rapport à la UE4. Q et D. Donc le D est ici. Et puis ben le reste pour l'instant on le laisse comme c'est. On pourra enlever plus tard le reset VR par exemple qu'on peut supprimer parce qu'on va pas s'en servir, on va pas utiliser de VR. Encore. Et puis ben voilà. Pas encore, ouais. Peut-être le futur projet. Ou alors une adaptation de celui-là en VR. On aura atteint les 3 millions de ventes. C'est ça. Achetez, achetez, il y a rien à acheter, mais achetez tous. On fait des prix à Black Friday. C'est ça. On vous fera moins 20%, plus 30% si vous voulez. Alors, on va aussi dans l'éditeur préférence, parce que là, du coup, normalement, quand on se déplace... dans la vue, on sera aussi en QWERTY. Moi, je l'ai déjà fait, donc... il faut chercher... Forward, ici, et le transformer en Z. Donc ça va vous changer le... Ça va vous dire qu'il y a déjà le focus de caméra, si je dis pas de bêtises, qui existe déjà sur ce raccourci. Moi, perso, je m'en sers pas, donc... Et donc il y a aussi le move left qui est ici à changer. Et puis voilà, donc déjà là on arrivera à se déplacer avec notre viewport comme il faut et dans notre jeu aussi. Voilà, bon bah on peut sortir le jeu, on a fini. Au suivant. Allez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au tout début, on va déjà venir donc faire dans notre content drawer début. On va venir créer donc un héros, enfin un dossier pour les héros, et un dossier pour les ennemis. Même si on met rien dedans, au moins on déjà créé. Donc j'évite au maximum de mettre des accents en bonheur de Mobius. Mais c'est parce que ça pose souvent des problèmes au code d'avoir des accents dans autre chose que du texte à afficher. Et puis ben on va attaquer gentiment notre menu.
Donc, si on ouvre notre map, on voit que... Il y a rien. Il y a absolument rien. Donc nous, ça nous va bien pour un menu, parce qu'on ne souhaite pas avoir d'éléments 3D pour l'instant. Donc on verra peut-être plus tard qu'il y aura des éléments 3D à l'arrière de notre menu ou quelque chose. Mais pour l'instant, on veut que ça fatigue le moins possible notre PC. Donc qu'est-ce qu'on voudra afficher? On voudra afficher dans le menu... Choix de personnage. Exactement. Donc, on va se faire un nouveau outil qu'on va appeler menu. Hop. Dans ce menu, donc, on va vouloir afficher quelque chose à l'écran. Donc, pour afficher quelque chose à l'écran, dans User Interface, Widget Blueprint. Hop. Là, on va l'appeler donc WI pour widget. Et on va l'appeler menu. Et tu mets pas BP Non, parce que WI, parce que c'est le widget blueprint en fait. Ah. Donc après, si tu veux, on peut mettre WIBP, hein, c'est de la. Si y a que ça, moi je te le mets, hein, y a pas. C'est juste une convention de nommage, quoi. Parce que partout. Mais, moi je mettrais. Y en a beaucoup, mettrais qui... partout, il y a un blueprint dans le coup. Bah, c'est pas en fait un blueprint à part entière. Enfin, c'est pas un blueprint, un acteur en fait. D'accord. Là, c'est de l'affichage en fait, c'est pour ça qu'ils mettent widget. Par contre, on peut l'appeler main menu si tu veux, parce que si on fait plusieurs menus, moins on a. Donc, ce blueprint là qu'on a créé en fait, enfin ce widget, on voudra l'afficher à l'écran. Donc, ça, le meilleur moyen de l'afficher à l'écran en fait, c'est vraiment d'aller. Dans le level blueprint, donc, ce qui se passe quand le niveau est chargé. Alors je change de fenêtre parce que ça m'a ouvert sur la mauvaise. Voilà. Et donc nous, ce qu'on voudra, c'est que au début, donc l'event begin play, c'est ce qui se passe au début du niveau. Donc on va vouloir donc créer ce widget. Donc tout simplement create. On vient sélectionner widget main menu. On veut c'est l'afficher à notre viewport. D'accord. Donc ça, il faut renseigner qui c'est qui le voit. Donc là, ça sera le player controller one. Donc get player controller. Hop. Pour l'instant, on supprime l'event tick. Donc là, on va bien dire. Donc les joueurs, c'est un tableau, un array. Donc ça commence à partir de 0 et on incrémente 0 pour le premier joueur, 1 pour le deuxième, 2 pour le troisième et ainsi de suite. Donc là, donc, en renseignant le 0, c'est bien le premier joueur qu'on fait appel. On y demande de créer notre widget et de l'afficher à son viewport. Compile, on sauvegarde. Alors pour éviter de faire tout le temps la manipulation compile save, on peut venir ici sur la petite option et on peut mettre save on compile on success. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que on peut pas dans le blueprint remonter level blueprint, mais sur les autres on pourra. Hop. On va ouvrir notre widget blueprint. Et là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, on peut définir déjà une taille d'écran. Quand on veut que ça soit sur un moniteur, sur une télévision. On va se mettre en taille HD standard. 920 par 1080, parce que même la plupart des écrans d'ordi aussi affichent cette résolution. Donc là, c'est exactement ce qu'il va y avoir d'affiché sur notre... sur notre écran. Ouais, c'est le cadre. Pour l'instant, on entend dire pas grand chose. C'est quoi? C'est le cadre, enfin là, ils mettent Canva, mais c'est le cadre dans lequel. C'est ça, bah en fait, c'est notre délimitation d'écran, donc le tour vert fluo. Donc là, nous, on va vouloir mettre une boîte, grossièrement, pour pouvoir y afficher les informations qu'on veut dedans. Donc cette boîte, ça s'appelle un border.
Donc là, il nous demande où on veut la placer. Alors on a ça, qui s'appelle une encre. Il veut dire qu'avec cette encre, on peut venir choisir où on veut le placer. Donc si je veux le placer au milieu, l'encre vient se mettre au milieu. Donc nous, on va dire cette encre qu'on veut tout au milieu. Et ici, dans l'alignement, on veut que ça se passe vraiment au milieu. Là, si on reste à 0, en fait, il vient se mettre dans les coins. Donc là, si on met à 1, il passe au coin inverse. Donc on a juste à renseigner la moitié, donc 0,5, pour le mettre vraiment au centre. Là, on peut renseigner notre hauteur. Donc si on veut que ça prenne tout l'écran, par exemple. Donc on va se laisser une petite marge, question de pas afficher tout au-dessus des écrans si on a une petite différence de hauteur dans la configuration, etc. L'avantage de faire un border, c'est que si la personne va changer de résolution, le border va tout le temps s'adapter à l'encre en fait. C'est-à-dire que même si là, en prenant ici, en fait, je viens changer ma résolution, on voit que mon border suit ma résolution. Il est toujours identique. Donc nous, on va vouloir le mettre un peu plus grand aussi en largeur. On va mettre, cette largeur-là. Comme ça nous laisse pouvoir afficher des choses sur le côté s'il y a besoin. Tout ça, c'est après, on peut revenir dessus à l'infini. Hein. Il n'y a pas de choses prédéfinies. D'accord. Ah oui, et le Z-Order, c'est pour si jamais tu veux faire apparaître un border au-dessus d'un autre ou derrière un autre. Oui, c'est pour le. Je crois que si je dis pas de bêtises, hein, je m'en suis jamais servi moi, mais il me semble que c'est justement ouais, l'ordre d'apparition, on va dire. Enfin, je veux dire, ouais, elle est comme des calques, quoi. Mais... Ouais, en ordre d'affichage, quoi. D'accord. J'en suis pas sûr et certain, hein, puisque je m'en suis jamais servi, mais. Je sais qu'on peut récupérer cette variable-là pour la changer dynamiquement, donc je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc en venant changer le brush color ici, on met de l'alpha, on peut rendre opaque, complètement transparent, donc le fond. Alors on va lui donner une couleur, ou... Pour l'instant nous on va le rendre en transparence complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer des petites images, donc, que j'avais faites au préalable. Dans notre OneDrive qu'on a. C'est pratique. Source. Ah. C'est des trucs. Et ah non, c'est pas. Non, c'est fichier jeu. C'est moi, je me suis trompé. Autant pour moi. Donc, j'avais fait. Ici, juste des petits boutons, on va dire, entre guillemets. Hein, vraiment, c'est du basique, c'est juste pour dire. Donc on va faire spawn deux personnages. Une couleur bleue, une couleur rouge. Donc pour l'instant, j'ai juste mis ça vraiment vulgairement. Hein. Pas du définitif. Donc dans notre menu, soit on peut glisser ici et ça importe automatiquement. Là, on voit que ça m'a importé ma texture. Là, c'est une texture. Tu l'as fait en PNG peut... Ouais, je l'avais fait sur Photoshop en fait directement. Avec, Et l'avantage du PNG en fait, c'est qu'il gère la transparence. Ouais. Donc du coup, si j'ouvre ma texture, on voit que j'ai le quadrillage derrière pour la transparence. Sinon, j'aurais eu un rectangle blanc quoi. C'est pour ça que je demande. Bonne initiative. J'essaye. Donc la deuxième possibilité, c'est de passer par l'import et là de venir renseigner du coup directement nos dossiers. Faut pas faire, moi il est déjà ouvert, on va simplifier la vie. Hein. Ouais, donc, c'est ça. Et juste renommer celui-là, donc ce sera une flèche pour faire un retour. Voilà. Et donc là on voit que même si on ouvre, eh ben, on a notre texture avec notre fond justement en transparence pour pouvoir...
Alors, ce qui serait bien à faire, c'est de le mettre sur Illustrator, par exemple, et de le rendre vectoriel pour plus avoir de pixels. Ah. Là, bon, vu que c'est, comme on a dit, vraiment du vulgaire, hein. Donc voilà. Non, c'est vraiment la maquette. Ouais, c'est ça. Au début, il faut penser que quand on crée un jeu, il faut pas faire vouloir faire du triple A dès le début, voilà. Faire des trucs finis. Il faut vraiment déjà poser une base, voir si, par exemple, un pistolet, tout simplement avoir deux cubes, et voir si on arrive à s'amuser à notre propre jeu. Quoi. Aussi, ouais. Si on n'a pas du tout d'engouement pour le jeu, si vous le trouvez fade, il faut se dire que le joueur, lui, va le trouver encore plus fade. Donc là, nous, on va vouloir remplir ce border. Mais on va pas vouloir le remplir en mettant tout n'importe quoi, n'importe comment. On voudra que ça s'aligne, ces choses-là. Donc là, on peut utiliser une vertical box. Ah. Et tout ce qu'on va venir rentrer à l'intérieur de cette vertical box, ça va être justement aligné de façon verticale. Quoi. Donc là, bon, on va pas afficher grand chose, on va juste mettre le choix du personnage hein, dans notre vertical box. Donc là, pour pouvoir venir intégrer notre choix de personnage, on a juste un qui est content de drawer. Et puis. Non, je sais pas. On va créer un bouton pour pouvoir le rendre actif. Choix de personnage. Donc nous, ce sera bien un bouton. On va venir glisser donc dans notre vertical box pour qu'il se mette comme on a envie. Donc on voit que notre bouton, si je clique dessus, il a été se mettre tout au-dessus pour l'instant. Ici, on peut déjà l'aligner comme on a envie. Et dans notre vertical box, on peut aussi dire de venir l'aligner notre vertical box par rapport au centre de notre border. Donc le vertical box, lui, il vient se remplir par rapport à la taille de ce qu'il y a dedans. Tant, il y a juste notre bouton dedans, et notre bouton, on n'y a pas défini de taille, on n'y a rien défini à notre bouton, donc c'est plus que basique. Normalement, si je dis pas de bêtises, notre bouton doit avoir une fonction pour pouvoir... Il... Et ici, donc, à l'état normal, on peut décider de... Comment sera notre bouton? Donc nous on veut que ça soit une texture avec le choix du personnage. Paf! Miracle, ça s'apparaît. Et ici on peut venir mettre en fait juste l'image avec un bord autour, on va dire, de notre image, une boîte ou ce qu'on a envie. Donc on va faire juste une petite distinction, c'est-à-dire que quand on le choisit pas, qu'il est vraiment inerte, on va le laisser sans bord, juste notre choix de personnage. Donc je reclique sur mon bouton, quand on passe dessus, on va dire qu'on veut toujours notre image, mais avec une box autour de couleur grise. Et quand on l'appuie, on va vouloir toujours le choix de personnage, avec une box autour, mais de couleur noire par exemple. Et là du coup, juste en venant passer sur notre bouton, on verra qu'il changera de forme au final. Voilà. Et on a fait notre première interface, on va dire. Et là, si tu fais la visualisation, ouais. On peut déjà le faire, ça. Alors, normalement, si je fais play, alors, bah, ouvert, mais dans une autre fenêtre. Donc là, on voit qu'on a marqué choix du personnage, donc tout est noir et... Ah, normalement, si je passe dessus, on voit bien qu'il y a un petit rectangle qui se met dessus. Et si je clique, on voit bien que ça remplit de noir. Ouais. Donc on voit qu'il y a une action. Donc voilà, à partir d'une image toute simple, au final, on arrive déjà à avoir un petit peu visuel, on va dire. Donc là, qu'est-ce qu'on voudra faire ? Déjà, on va renommer. Que être au maximum juste. Donc,
On va laisser en anglais. On... Et puis ben on va mettre pour un perso, donc on essaye de réduire au maximum le titre, pas mettre quelque chose qui fasse trois lignes, hein, bouton du choix du personnage, il sert à choisir le personnage du joueur 1. Alors on fait un petit compil sauvegarde, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc on a vu que j'ai réussi à mettre un succès non mis. Ça veut dire qu'il compile et si il n'y a pas d'erreur, il sauvegarde. Donc notre border là, c'est ce qui va contenir justement tout notre menu. Donc plus tard, il y aura justement le fameux option, choix de la difficulté ou ce genre de choses qu'on va pouvoir venir choisir. Donc nous, quand on va cliquer sur choix du personnage, ce qu'on voudra, ça sera masquer ce border. Il faudra qu'il n'y ait plus pas d'affiché à l'écran. Donc on va pouvoir renommer notre border en border, on va le laisser comme ça. On va mettre main menu. Hop, pour menu principal. Avec mon franglais, comme j'aime bien. Et du coup, nous, on va vouloir jouer donc sur le border là. Donc, pour pouvoir le récupérer dans notre code, il faut tout simplement cliquer ici, is variable. Ah, d'accord. Ça nous crée une variable de cette de cet acteur, de ce border. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est au moment de cliquer sur notre personnage, enfin sur notre bouton, choix de personnage. Là, on va tout en bas. Et on voit qu'on a plusieurs événements qu'on peut appeler. Donc quand on appuie le bouton, développer un peu, voilà. Quand on clique, quand il est pressé, quand il est relâché, quand on le survole, quand on le survole plus. Ouais, petit tour, tout ça. Ah, il y a possibilité de faire plein d'actions, ouais. Du coup. Même possibilité de rajouter, ben, quand on survole, faire un clic-clic, tout simplement, par exemple. Et un clic différent quand on l'appuie. Tout simplement jouer des sons, faire ce genre de choses. Donc ce serait bien qu'on cherche aussi pour le prochain coup pour pouvoir faire déjà au moins des sons dans le menu. Donc nous là on va vouloir en l'occurrence pouvoir cliquer dessus. On clicked. Donc là on est passé dans la fonction graph. On voit qu'ici on a designer et ici graph. Donc la fonction designer est purement visuelle. La fonction graph est nodale donc pour pouvoir faire le code hein, tout ça. Donc nous qu'est-ce qu'on va vouloir faire quand on vient cliquer sur notre bouton? Dans un premier temps, on va vouloir déjà cacher le border main menu. Donc on vient faire glisser notre border main menu bien ici. Donc soit je le lâche et puis on peut venir faire un get pour avoir les informations ou un set pour l'éditer. Ou tout simplement, on peut appuyer sur CTRL pour faire un get directement. Ah, en glissant avec CTRL. Eh ben, bien le bonjour, il y a quelqu'un qui a marqué quelque chose sur le chat que je ne comprends pas, désolé. Je l'ai arrêté si tu veux. Donc nous, on va vouloir faire une modification donc notre main menu. Cory Berry. Donc on va vouloir revenir chercher donc sa visibilité, simplement. Donc on va venir faire un set visibility ici, donc pour pouvoir la configurer comme on a envie. Donc on vient relier notre node dessus, pour bien dire que c'est au moment où on va lancer donc notre clic, on va vouloir venir ici, donc hidden pour cacher notre menu. On pile en sauvegarde. Je vais faire un petit play. Donc on voit. Ah. Donc on voit que si je clique à côté, on a perdu la souris. Donc du moment qu'on travaille dans un menu, la première chose à faire, c'est que dans l'event construct, donc ce qui se passe au tout début, on va vouloir afficher la souris du premier du joueur 1. Donc là, on vient chercher un node qui s'appelle. Oh. Mouse cursor. Donc on décoche contexte sensitive.
Et lui, il vient nous aider à trouver des nodes qui sont actuellement utilisées. Là, on va venir set show mouse cursor. Donc là, c'est un vrai ou faux. Est-ce qu'on l'affiche ou est-ce qu'on l'affiche pas? Donc nous, on veut l'afficher. Et on veut l'afficher. Donc là, je remets le contexte sensitive au premier contrôleur, au premier joueur du coup. Hop, et ça. On pile. Fait play. Et on voit que là, même si je clique, du coup, j'ai bien ma souris qui reste affichée. Donc là, on voit que si je passe dessus, rien ne se passe. Si je clique, on n'a plus notre menu. On ne peut plus interagir avec. Donc nous, ça nous va bien. Maintenant, on veut donc créer la suite de notre menu. En designer, on va le cacher pour pas que ça nous gêne. Ce qu'on peut déjà faire, c'est que si on veut prendre la même taille, on peut déjà venir faire un CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller. On va mettre le positionnement à 0. Donc là, on a bien nos deux menus qui se chevauchent. Donc nous, on va cacher l'ancien. Et il faut bien mettre le border, pas dans le border du premier, mais dans le canevas. Si tu le laisses dans le border du premier, ça va faire quoi? Du coup, si je le mets en invisible... Ah oui, d'accord, oui. Il hérite de tout ce que l'autre a. Donc là, j'ai perdu complètement mon écran. Ah, mais j'ai mis le canevas en invisible, autant pour moi. Voilà. Donc ouais, si on met le canevas en invisible, forcément on voit plus ce qui est affiché à l'écran. Tout ce qui est en fond. Donc nous, on va supprimer le bouton. Ou en tout cas, on va le changer. Donc plutôt que de le supprimer, on peut tout simplement venir remplacer la texture de ce qu'on a envie. Donc nous, comme on avait dit, on voudra un choix de personnage entre un personnage bleu ou un personnage rouge. Ouais. Donc là, on vient dans le style. Donc, c'est bien, on a une petite prévisualisation là, t'as vu, si jamais, qu'on a fait. Donc nous, on va vouloir bleu ou rouge en premier. Allez, bleu. Allez, bleu. On voudra le blue. Donc même principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir juste une image au début. Quand on va passer dessus, donc on voudra notre image blue. Mais... On laisse du gris aussi autour, ou tu veux qu'on change de couleur ou... Ouais, on laisse gliss et noir comme ça reste raccord. Ça c'est vraiment pour on laisse gliss et noir. Le truc comprendre le but. C'est juste pour présenter. Donc là, on pense à renommer. Donc F2 pour renommer. Là, bouton bleu. Pas besoin de le nommer plus que ça. Hein. Je pense que c'est assez explicite. Le but. Et donc là, on va vouloir rajouter un deuxième bouton. Donc soit on en glisse un deuxième, soit on fait un CTRL-C, CTRL-V, comme ça on a déjà nos choix d'image pour le contour, etc. Vraiment en feignant. Et donc là, on voudra notre texture rouge. Et on voit qu'en très peu de temps, on peut déjà avoir une petite interface. Par contre, quelque chose qui est pas très très joli, c'est qu'ils sont vraiment collés l'un contre l'autre, nos boutons. Alors, je renomme en red, avant d'oublier. Hop. Red comme rouge. Red comme rouge. Et donc nous, ce qu'on voudra... Ah, vas-y. Non, non. Il y a des outils d'alignement dans milieu. Justement, c'est l'outil qu'on a servi ici. Simplement déjà, on peut venir choisir de s'aligner comme on veut. Donc là, comme notre vertical box est aligné au centre, forcément il faut décaler ton vertical box si tu veux, ou alors tu la mets qu'elle prenne toute le dernier c'est fil horizontal. Le dernier en fait, ça c'est un fil, ouais. ça prend la totalité. Ça c'est bien, si tu veux à l'intérieur par exemple, moi que je mette mon bleu là, mon rouge là, tu vois, je peux mettre mon rouge de l'autre côté par exemple, et puis peut pas être plaqué vers le haut tous les deux, voilà, aligné sur le haut de la box, enfin de la ligne. Alors peut-être que c'est... non, du moment qu'on a, alors ça on peut,
Mais du coup, il faudrait se servir d'une horizontal box et non plus ah, une vertical box. Oui, d'accord. Parce que tu voudras aligner à l'horizontale, du coup, et non plus à la verticale. Donc là, c'est purement un choix esthétique, hein. On pourra le changer si tu veux, il n'y a pas de souci. Ça, ça sera quand on fera vraiment un design de menu, quoi. D'accord. Mais là, le truc le plus dérangeant, c'est quand même le fait que les deux boutons sont vraiment recollés l'un à l'autre. Donc ça, on peut venir contrer avec du padding. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le padding? En fait, c'est tout simplement un décalage. C'est comment... Donc on peut le décaler à l'autre. C'est comment HTML, en fait. Ouais, tout simplement, oui, ou même, si je dis pas de bêtises, dans Photoshop et tout ça, on peut se servir hein, de padding dans l'édition d'image. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un décalage en haut et en bas. De combien, je ne sais pas, on va essayer, on va mettre 80 par exemple. Là j'ai mis 803, je vais mettre 80. Et on veut 80 aussi en bas. J'ai du mal avec les 0. Donc on voit que ça fait peut-être beaucoup, 80, on va peut-être diviser par 2, parce que si on met pareil au rouge du coup... Ah oui. Voilà, du coup ben, on peut venir mettre pareil au rouge, ou alors on peut venir décaler que au-dessus par exemple. Oui. On souhaite, on peut faire un décalage que sur le top par exemple, et puis du coup, on enlève le bottom. Du coup ça décale les deux. Les stracos. Donc là, on a déjà un décalage, c'est déjà plus joli. Donc là, on compile, on sauvegarde. Par contre, si je démarre dès le début, là, on va voir que ben, notre bleu rouge est déjà affiché. Hein. Il y a déjà quelque chose. Donc on voit que ça fonctionne au niveau de notre passage de souris et puis que ça clignote quand on clique. Mais par contre, on veut pas qu'il soit affiché au début. Ça sera dans le border main menu. On va en profiter pour le... Je vais nommer en border choix perso. Donc on clique dessus et on vient donc dans les détails sur la droite et on va venir choisir la visibility ici. Nous on veut que au démarrage en hidden, donc caché. Donc là on ne le verra pas au démarrage. Donc on peut l'effacer. Le laisser comme vous voulez, après ça sera pour nous pour l'édition, ouais, c'est juste du visuel pour nous. Là si on fait play, on voit bien qu'il est effacé, donc on peut pas cliquer sur bleu ou rouge. On a notre choix de personnage, par contre quand on clique dessus, rien ne se passe. Donc là même principe, on va choisir border choix de perso. On va le passer en variable, donc je crois qu'il existe déjà en variable, mieux. Est-ce que c'est une copie de l'autre? Parce que c'est une copie de l'autre, exactement. Alors, problème par contre, mets les deux border choix. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, dans... Ah non, c'est le bouton. Non, autant pour moi, c'est moi. En mail. Donc là, on voit déjà que, ben... Même si on n'a pas grand chose, on commence déjà à avoir ben, le bouton et le border qui ont le même nom par exemple. Donc là, je me suis trompé bêtement là-dessus. On peut c'est créer une nouvelle catégorie. Et puis mettre border par exemple. Et du coup, on peut venir glisser tous nos borders dedans. Comme ça, on peut venir les collapse, enfin, les cacher. Ouais. Et puis faire une catégorie ben, pour nos boutons aussi, tout simplement. Fait que on pourra venir plus facilement s'y retrouver. Nous. Donc nous, quand on clique sur notre choix de perso, on va venir cacher notre bouton et on va venir donc du coup faire l'inverse. Donc prend le node, cette visibility, on va passer à visible. Par contre, on va changer, on va pas vouloir mettre le border main menu, mais le border choix de perso. Et puis on sauvegarde, choix de perso, et on voit que ben notre choix de perso s'est bien enlevé et que notre bleu rouge arrive. On voit que ça va fonctionner, qu'il y aura quelque chose. Et puis ben, on va faire quelque chose derrière ça, quoi.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Mobius? Est-ce que tu veux qu'on crée une petite fonction, question de finir là-dessus, et puis comme ça on regarde le prochain coup pour le reste? Ah bah après, comme tu m'avais déjà montré que tu avais mis un certaine personne bleu ou rouge, on peut, si tu veux, me montrer ça dans une des deux. Ouais, t'auras le temps? Je sais pas. Là, bah moi j'ai encore, ouais, j'ai encore un peu le temps. 20 minutes, c'est peut-être un peu court quand même pour faire tout ça. Ouais, je pense qu'on peut faire la fonction pour que ce soit plus joli déjà esthétiquement. Bah, Mettre en place le bouton retour. fait, Bah, je pas pense trop que ce avec sera pas mal déjà. l'esthétique parce que je te dis, ça va vraiment changer ça. Et par. Ouais, non, mais esthétique dans Ah, notre code en d'accord. fait. Que notre code soit Ah, fonctionnel, c'est voilà. ça que je veux dire. Donc, en fait, parce que là, du moment qu'on va vouloir rappeler un autre Ouais. menu, on va être obligé de refaire ça à Ah, chaque fois. d'accord. Donc moi, en fait, ce que je te proposais, c'est de créer juste un node, en gros. Et depuis ce node, on choisira ce qu'on affiche et ce qu'on Ah éteint. oui, d'accord. Ah bah ouais. Si on peut Attends. compiler un peu tout ça. Donc nous, ce qu'on va vouloir compiler, donc c'est nos quatre nodes là. Donc nos deux nodes principales avec nos deux nodes de renseignement. Donc soit on crée une nouvelle fonction depuis ici, soit on peut venir ici tout surligner, faire un clic droit, collapse to function. En faisant ça, paf, on voit direct que ben on a notre nouveau node avec ici la fonction qui a apparu. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire déjà? La renommer. Et là, notre fonction, on va l'appeler afficher, cacher, menu. On voit que ça a renommé notre node aussi ici. Pour accéder à notre fonction, soit on fait un double clic ici, soit on double clic dessus ici. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire nous? Donc on voudra pas à chaque fois que ça remette. Que là, du moment qu'en fait on appelle notre fonction, tout ce qui est à l'intérieur de notre fonction va s'exécuter. Donc là, si on l'appelle, elle va bien venir cacher le border et cacher le choix du perso, enfin et afficher le choix du perso. Sauf que nous, on va vouloir faire ça de manière dynamique. On voudra pas tout le temps cacher les mêmes. Toujours le même On va pas créer à chaque fois un affiché caché menu pour ouais. chacun. Donc pour créer ça de façon dynamique, on va tout simplement cliquer sur notre node ici et rajouter des inputs. Donc des inputs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des entrées, comme on a ici le target, donc pour savoir sur qui on affecte notre fonction. Donc nous, on va vouloir deux inputs en plus. Donc là, on voit que ça a créé des booléennes, donc des inputs qui sont répondus par vrai ou faux, tout simplement. Nous, on va vouloir créer un object reference. On le voit ici en se mettant dessus, border object reference. Ben, tout simplement cliquer dessus. Border, object reference, on clique dessus. Et on voit que ça nous l'a créé. Bien. Tout simplement pareil. Quand on ne sait pas le nom et le type d'objet qu'on a, tout simplement on le surligne. Si une variable est d'un autre type, on voit là self object reference. D'accord. Et on voit que c'est un integer. Player controller object. Tout simplement, on a juste à surligner boolean. On se met dessus. Donc là, on a bien créé nos deux paramètres. Par contre, il va falloir changer leur nom. Donc, comme on cache en premier, ben, on va mettre caché. Et ici, comme on va afficher, on va mettre affiché. Okay. Alors, je conseille de tout le temps cacher en premier et afficher en deuxième. Ça évite d'avoir un petit scintillement de deux choses en même temps à l'écran. Même si c'est vraiment hyper rapide. Si on a un petit lag ou quelque chose en même temps, on va avoir les deux qui vont se chevaucher. Donc, vaut mieux tout le temps cacher et afficher après. Donc là, nous, on va vouloir supprimer ça, hein. Et donc, on relie tout simplement cacher au cacher, afficher à l'afficher.
on veut quelque chose de plus propre que quelque chose qui traverse à travers comme ça, faites tout simplement un double clic. Vous pouvez venir ici, donc rajouter une petite dérivation. Ça soit plus joli, plus propre. Donc on compile, on sauvegarde. On revient dans notre event graph. Et là on voit bien que on a directement un fichier caché avec donc, nos deux choix. Donc soit on peut venir le renseigner à la main comme ça, c'est pas très dynamique. Soit on vient directement on va choper notre border. Là ben, on veut afficher le choix du perso et cacher le main menu. Donc là je pense que c'est pas mal déjà, tu vois, ça reste plus esthétique on va dire. On a beaucoup moins. Ce qui fait que le jour où on voudra afficher des autres menus ou autres, eh ben, on aura juste à faire visser notre affiché menu comme ça. Et ça apparaîtra directement. Donc on compile, on sauvegarde. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit test. On voit que tout fonctionne pareil en fait. Rien changé. Par contre, si jamais on voudrait retourner à une option ou autre, on n'a pas de flèche de retour possible pour l'instant. Mais. Faire ça vite fait. Haha, petite solution. Donc là, on peut mettre notre bouton. Donc, soit on crée un border du coup pour le général. Soit on met notre bouton un peu à l'arrache, on va dire. Mais le problème de le mettre, comme on a dit, à l'arrache, c'est que. Ben, et on change de résolution. Ben, on va essayer, tiens. Mais normalement, si on change de résolution, je pense pas qu'il va suivre. On va juste changer la couleur de notre bouton pour le voir. Normal, t'as pas changé. Là. Donc, bien rare, si on change. On voit il change, mais par contre, on voit qu'il s'étire aussi. Par rapport au reste qui reste vraiment pareil, on voit qu'il se scale en fait, tout simplement. On va mettre notre border. Donc, on va lui donner une taille. Comme ça, on va pas faire quelque chose de trop précis. Donc, on va regarder. Voilà, on va mettre 300 par 180. Comme ça, ça fait. Donc on va placer nos 30. Donc même principe, on va prendre le décalage qu'on avait mis tout à l'heure. Oui, mais non, on l'avait fait. Ouais. On va essayer de s'aligner comme ça, donc à la vue. Et on va venir donc mettre un peu de descente et puis de. Enfin un peu de padding comme on avait tout à l'heure en gros. Ouais, de manière à ce que. Si on a une résolution qui est un peu différente. Je le vois pas bouger. Ah, c'est parce que je le bouge pas de beaucoup. Si tu veux, regarde là, si tu veux, mais tu vois. Toc. Donc là, même principe. Brush color. On le met en transparent. Donc là, on va le renommer du moment qu'on est là. Hop. Voilà. Et donc ben on rajoute un bouton dedans. Lui on va le rendre en variable aussi, parce qu'on va pas vouloir qu'il soit affiché en permanence. On va tout simplement pas vouloir qu'il soit affiché quand on affiche le main menu. Ouais, en fait. Seulement quand on est dans Blue-Red. C'est ça. Donc là, on renomme notre bouton. Alors on va faire mieux que d'afficher que quand on est dans Blu-ray, on va afficher tout simplement quand on est quand on n'est pas sur le main menu. En fait. Ouais, oui. Donc là nous on va vouloir le mettre au milieu. On voit que ça fait un gros truc. Et du coup ben on va venir dans le style, même principe. On va choisir image. Comme on l'avait appelé, retour, hop. On voit notre super belle flèche. Wow. Même principe, on va la mettre que en image. Quand on la survole, on mettra un rectangle. Et quand on la clique, on la fera disparaître un petit coup en noir.
je reprends exactement pareil que le reste de notre menu pour rester à peu près cohérent. Donc nous, on voudra que ce border soit invisible au début, hidden. Et donc là, nous, on va vouloir qu'il s'affiche quand même à un moment. Donc où ça se passe? Dans le graph. Et à quel moment on change de visualisation dans afficher caché menu? Donc nous, ce qu'on va y dire, c'est est-ce que le caché ici est égal... Est-ce que le affiché ici est égal au main menu, en fait, au menu principal? Donc on tire tout simplement égal. Et là, on met notre main menu. Hop. On s'en raccorde. Hop. Et là, il va nous renvoyer un vrai ou faux. On tire depuis cette branche. Branche, c'est... Ça va nous renvoyer la valeur. Est-ce que c'est vrai? Alors si c'est vrai, on fait ça. Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, on fait ça. S'il n'a pas bougé, c'est qu'on est encore sur l'écran principal. S'il a bougé, s'il n'est pas égal, c'est qu'on a bougé. C'est ça? C'est ça. Non, s'il est égal, là, s'il est égal, ça veut dire qu'il est pareil que notre menu principal. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est lui qu'on affiche. Donc, on veut enlever notre tour. Alors, si tu veux, on peut le faire à l'inverse. Ah, si tu veux, on peut faire ici, à la place de égal, note égal. Et là, n'est pas égal. Après, ça dépend quelle logique tu vas adapter. Tu me le dis, moi. Non, c'était bien. C'était pour voir si j'avais, moi, compris. Si j'avais une logique ou pas. Parfaitement compris. Alors, j'inverse juste les nodes. Voilà. Hop. On relie notre branche. Et donc, si c'est vrai que c'est notre menu principal qui est affiché... Du coup, nous, on va vouloir cacher notre bouton de retour. Donc là, ici, on vient mettre notre bouton dans le bouton, notre border dans le border. Et donc, nous, on dissimule notre bouton par le border. Donc, même principe. Contrôle pour avoir mon get. Ici, set visibility. Paf. Et donc, tout simplement, je veux... cacher ici ma visibilité si c'est bien mon main menu. C'est quoi toutes les options de à part hidden? Il y a quoi? Collapse, donc qui vient se réduire. On expliquait en français. Ouais, se réduire, ouais. Visible. Et les autres, je peux pas te dire, je sais pas ce que ça fait. J'ai jamais servi. D'accord. Est visible, mais apparemment, il peut pas être. Et il peut pas avoir d'interaction. D'accord, ah oui. Donc ça, c'est bien pour ceux qui font des menus dynamiques, on va dire. Ou quand tu cliques choix du perso, par exemple, le choix du perso se recule et puis t'as, tu sais, devant ton texte qui vient... c'est comme si ça avait une roue ou quelque chose comme ça qui basculait. Là, j'ai pas suivi. Dans quel ouais. Genre tu dis? Genre de truc Alors, comme ça, j'ai pas de jeu en tête qui l'utilise. Mais je sais que j'ai déjà vu où, du genre, quand tu viens cliquer choix du perso, ton choix du perso, en gros, il passe à un plan différent et ton bleu-rouge, il viendrait devant. Ah, d'accord. Okay. Et du coup, tu désactives, tu peux pas y cliquer dessus, mais il est toujours visible. D'accord. C'est dans ce genre de situation que tu peux t'en servir. Dans plein de monde. Et par contre, qu'est-ce qu'on veut faire? Si c'est pas vrai, eh ben, on va vouloir faire le même principe. Mais... à l'inverse, où on va vouloir donc l'afficher. Donc là, on compile, on sauvegarde. On voit que là, on a quand même déjà un petit peu de nœuds qui s'est rajouté. Hein, du coup, on a 6 nœuds plus les informations. Et que tout ça, bah, au final, nous, c'est représenté que par un seul nœud, quoi. Donc on peut tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, on a le choix du personnage, on clique, on a bien notre flèche qui est apparue. Ouais. Et on a bien notre bleu-rouge. Pour l'instant, par contre, notre flèche, elle ne fait rien du tout. Donc là, c'est vite fait. Notre flèche, on clique dessus. Qu'est-ce qu'on veut
Donc quand on clique dessus, on a le détail en dessous. On peut atteindre unclicked. Donc là, unclicked. Donc on veut faire quoi? Ben on veut faire ça. Hein. Mais à l'inverse, du coup. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'un seul menu, donc on peut faire pas de façon vulgaire. Il faudra qu'on fasse le prochain coup. C'est que du moment qu'on affiche... Vulgaire, mais jamais grossière. Ouais, jamais grossière. Ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement, du moment qu'on affiche un border, ben on peut le mettre en variable. Casser depuis là, afficher comme ça, c'est toujours. Hop. Bon, on a un nœud qui traverse, mais enfin, c'est pas dégueulasse non plus, on va dire. Hein. Et on est obligé à un moment d'avoir quand même des choses qui se traversent. Sinon, après, il faut inverser les deux, mais du coup, il faut tout réinverser. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique. On voit quand même ce qui se passe. Hein. Donc là, on a créé une nouvelle variable. Donc, ça sera le border actif, donc ça sera celui qui sera affiché à l'écran en fait. Que si actif te gêne, on peut mettre affiché si tu préfères. Actif, ouais, pas de souci. Et donc du coup là, du moment qu'on affichera notre border, et ben ça sera lui qui sera actif. Donc nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est quand on va cliquer sur retour, on va vouloir cacher le border actif pour afficher le main menu. Et là, de façon dynamique, dans n'importe quel menu qu'on sera, ouais, ça affichera... Ça va au main menu. Voilà, au menu principal. Donc tant qu'on n'a pas de sous-menu, ce sera pas gênant. Sinon, après, il faudra mettre un ordre de menu. Donc là, on pourra essayer. Donc on appuie play. On voit qu'on a notre choix de perso. Okay. On a bien notre flèche. On clique dessus. Elle disparaît, paf, on retourne bien notre choix de perso et elle disparaît bien au-dessus. Et ça, à l'infini. Waouh, ça c'est du jeu. Et voilà, maintenant vous pouvez cliquer et finir le jeu. Ok. Donc voilà. C'est grossier, mais on a déjà un petit menu qui est créé. Non, c'est vulgaire. C'est pas grossier. Donc là, on peut venir commenter tout simplement ce qui se passe, mais il n'y a pas grand-chose à commenter pour l'instant. Et en cliquant sur C, en fait, on peut venir mettre des commentaires. Ah oui, à chaque fois, chaque... Affiche le menu choix du perso. Retour au menu principal, hop. Donc ça, c'est purement de l'indicatif, mais ça permet en fait que si on a beaucoup de nœuds, ben on voit que quand on circule, il y a marqué encore ce qu'on fait. Et que si à un moment on a besoin de ranger ou autre, on prend ça et tout ce qui est dedans vient avec. Et il y en a beaucoup qui s'en servent aussi avec une genre de convention de nommage en code couleur en fait au final. Et ici ils mettent par exemple tout ce qui est action du joueur en rouge ou tout ce qui est fini qu'on vient d'appuyer dessus en rouge, ce genre de choses. D'accord. Comme ça après d'un coup d'œil de loin on voit... Tout ce qui est validé peut être vert, tout ce qui doit encore être travaillé, etc. C'est ça. D'accord. Voilà. Et ce qui donne que dès qu'on circule, ben, on voit directement les endroits où ça pose encore souci ou ce genre de choses. Quand même vite devenir une usine à gaz. Donc si on utilise une couleur qu'on a envie de servir plusieurs fois, par exemple on se dit la couleur qu'on a là elle nous plaît, on peut venir ici donc cliquer sur notre couleur et ici on peut la sauvegarder. Pas de bêtises. Faire comme ça, direct. Et on glisse dessus. Et t'as une et donc là, ouais, voilà, ça te fait une liste. Et là, bah, si on veut que ça soit fini, on a juste à cliquer sur notre couleur, paf.
on voit que bah, dans notre liste, on pourra mettre plusieurs thèmes, plusieurs couleurs. On peut renommer. Hop, fini. Ben voilà, déjà on voit que ce qui se passe dès le début. Ça prend gentiment forme. Avec deux nœuds qui sont vraiment plus que basiques, ben au final on fait quand même à chaque fois tout ça. Quoi. Donc là pour l'instant on charge aucun menu ni rien. Enfin aucun niveau ni rien. Je sais pas si tu veux. Bah moi je vais devoir. Moi je vais bientôt m'arrêter. Mais toi si tu veux tu peux continuer. Donc, Non, écoute, une autre petite aventure ensemble. Bah, hein, ou pas, ouais, parce que là, ce n'est que le début. Sauvegarde tout. Petit truc qu'on va venir changer tout de suite pour la prochaine fois. Ça prend deux secondes. On vient dans Editor, Edit Project Setting. Et nous, on va pas vouloir que ça démarre sur la map Third Person BP, mais on va vouloir donc que ça démarre sur notre main menu. Donc on vient dans Maps ici. Éditeur Startup, donc ce qui démarre en premier quand on lance notre éditeur, on va vouloir que ça soit le menu. Le jeu il voudra commencer sur le main menu aussi. Et ben, pour l'instant on n'a pas de serveur donc on va pas s'occuper de ça. Donc map de transition c'est une map de chargement. Pour l'instant on s'en sert pas non plus. Et puis, voilà. Écoute. On pourra venir directement faire aussi un peu de tri en supprimant ici la map dans Third Person BP. Hop. Delete. Ah, pas peur toi. Déjà là. Non, j'ai peur de rien. Je fais même une sauvegarde derrière. Tiens, sauvegarde. Et du coup, on a notre content, notre niveau, notre dossier d'héros et d'ennemis déjà rentré, notre dossier du menu. Ça va être bon. Impeccable. Bah c'était... Ah, je dirais même plus de impeccable. Ouais, c'était... On va continuer nos blagues de merde. Et... Pour ceux qui sont pas habitués, faudra voilà. S'habituer. Et donc, ouais. Et puis, petit à petit, on va pouvoir étouffer tout ça. Hein ? Exactement. Ah, voilà. On va rester sur notre trame, donc on a déjà... Et le menu. On va essayer de faire après le reste. On va voir comment ça se passe. Moi je vais regarder de près aussi tout ce qui est cinématique. C'est vraiment la cinématique, la partie ouais. Qui m'intéresse bien. Bah, de toute façon, on va dire que moi je serai plus axé blueprint et code. Toi tu seras beaucoup plus axé level design, asset en 3D. Hein, t'es meilleur que moi dans tout ce qui est modélisation aussi. Oui. Level design, animation, ça va être un peu ta spécialité. Oui, voilà. Alors on a déjà trouvé 2-3 petites références sur internet. On a mis là, juste des idées d'armes. Ouais, c'est plutôt comme une ça, sorte vraiment... de mood board là, de tout ce qui est les styles qu'on aime, qui pourrait c'est être ça, intéressant. C'est juste en fait quand un de nous deux trouve quelque chose qui... Miro, pour ça, c'est vraiment bien. On pourra piquer quelque chose. Ah ouais, Miro, c'est vraiment... pour un travail d'équipe, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'en plus, en étant en direct. Gratuit, on peut avoir quand même 5 boards. Ouais. Oh, notre labyrinthe. Donc, ce qui fait que... Oh, le labyrinthe. Notre labyrinthe. Il est long à charger, le labyrinthe. Il y avait beaucoup d'idées, mais il n'y avait pas beaucoup d'exécution. Oui. On avait fait quand même quelque chose de bien, hein, ouais. On avait fait... C'est joli, hein. On peut toujours le montrer à un moment donné où on s'est arrêté. Exactement, on pourra peut-être le reprendre, qui hein, sait. Qui sait, hein. L'avenir nous dira. Bon. Voilà pour voilà, aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, pour une petite première, je pense qu'on a déjà... Dire. Non, on n'a pas trop perdu. Ah non, toujours chaud. Je crois qu'on a encore meilleur qu'avant. Meilleur que hier non, et, voilà. Et bien moins mauvais que demain. Non. Ouais. Comme disait tout le temps mon collègue, touche à rien, tu fais de l'avance. Voilà. Et ben voilà, ben écoutez,
Sur ce, moi, je pense que on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous quand alors, du coup? Ben, semaine prochaine, on va essayer de rester sur des jeudis et vendredis. Et ou, hein, ce sera suivant notre disponibilité. Ouais. Donc, toujours un peu compliqué entre travail, famille, dodo, boulot, Patrie. Ouais, exactement. Ok, ben, à bientôt. Prenez soin de vous et puis ben, bonne soirée, bonne journée suivant où vous êtes et quand vous êtes. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.